Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un Côte du Roussillon, cuvée Jean, millésime 2011 du Château Loriga. Alors c'est une bouteille qui est très jolie, dont l'étiquette frontale est en deux parties. Vous allez retrouver sur le dessus une capsule de couleur sombre avec en dorure le L de Loriga ainsi que le nom juste en dessous. Sur le haut de l'étiquette frontale, on va retrouver le nom du vignoble, l'appellation avec un filet doré, le nom de la cuvée, et en dessous, le millésime dans un fond doré. Au niveau de la contre-étiquette, on va retrouver un petit laïus sur ce domaine et ce vin, ainsi que le degré alcoolique qui est de 15 degrés pour ce vin. Alors c'est un vin qui a une robe grenat vif avec un rouge assez profond. Il dispose d'un nez de fruits rouges mûrs, confiturés, autour d'une note de réglisse, avec une petite touche d'épices assez douce. Ensuite, on retrouve une attaque ronde et bien équilibrée, des tanins qui sont enrobés et encore jeunes, ainsi que quelques notes de torréfaction au final. Alors c'est un vin qui est issu des cépages de Syrah à 60%. 30% de Carignan et 10% de Grenache sur des terroirs de galets roulés et des terrasses argilo-calcaires. Ils ont un rendement là-dessus qui est très faible puisque de 30 hectolitres par hectare et les vignes ont à peu près 35 ans. Alors ils vont faire des vendanges manuelles et ensuite le vin va subir un élevage de 12 mois en fût de chêne. Donc c'est un vin que vous pouvez garder au moins 6-8 ans. Il faut le servir de préférence à 18 degrés. Avec par exemple des fromages, des viandes en sauce, des civets ou encore du gibier et surtout tout ce qui est cuisine gastronomique. Alors au niveau des récompenses, il a obtenu 2 médailles d'argent en 2012 au concours général agricole de Paris et au concours des grands vins du Languedoc-Roussillon. Voilà, j'espère que tout ça vous a donné envie d'en savoir plus sur ce domaine et sur leur gamme de vin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur le lien dans la description. Professionnel ou non, aimez nos vidéos, partagez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt.